adoration qu'il bail, combien prédication qu'il fait pour bon Dieu, pour dire m'a exaucé. Bon Dieu a ajouté environ 14 ans ou bien 7 ans sous la vie monsieur. Monsieur a fait plus grand erreur dans la ville, là il fait un vieux Manassé qui fait peuple Israël chuter. Amen. Gbaye bon Dieu pas de bail al forcer. Dans sainteté, ou met à jeûner la baoule, mais qu'à ton fret pour. Bon Dieu béni nous. Moi salue présence bon Dieu dans la vie, serviteur bon Dieu vivant, et me salue dans la vie, peuple là aussi. Et question que m'a posé avec serviteur bon Dieu, est-ce que Satan a accès pour l'approcher bon côté bon Dieu pendant que a fin fête dans ciel là? Moi j'ai deux questions. Et deuxième question m'a posé, est-ce que c'est parce que tu as un bagage qui crase dans ciel là parce que son gars fait? Est-ce que ça a son gars qui fait avec, par exemple, des bombes atomiques, même genre avec l'Ukraine et avec la Russie, parce que vous avez dit, son gars fait? Parce que si le gars a fait, il a un bagage qui crase. Parce que même Jésus-Christ dit comme ça, il n'y a pas ni qui joue ni qui l'est, il a retourné, c'est sauf papa qu'on est. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce que les bagages sont pour préparer ça que Jésus-Christ pas tourné? On applaudit la question, on applaudit la question. Bon, je vais commencer dans la dernière phrase là, parce que la dernière phrase est tellement comique, intéressante tout. Pendant le comique là, il y a une dimension là dedans. Mais comment je réponds, monsieur? C'est vite, mais comment je réponds? Il faut comprendre la première guerre mondiale qui s'altère, comment environ 45 millions de monde mourir. Première guerre mondiale. Gros physio te gagné avec Kano. Après, de 1914 à 1918, après combien de temps? 1934 à 45, combien de temps passé? De 18 à 1929. Environ 9 ans comme ça. Tellement technologie a été avancée, c'est bombe atomique qui fait la deuxième guerre mondiale. Environ 45 millions de monde mourir sans retomber, qui plus encore pour maladie. Ou qui est fait qui gagne entre première guerre mondiale l'examen qui était utilisé avec deuxième guerre mondiale là qui est fait. Maintenant nous pas ni dans boulette canon ni dans bombe atomique dans arme nucléaire. A dit que dégâts nucléaires là plus terrible toujours. Qui est-ce qui a inventé yo? Les humains. Mais qui est-ce qui bat aux sagesse là? Mais des fois, nous disons, bon Dieu, mais des fois, c'est mauvais esprit qui est intelligent, qui c'est archange, qui c'est chérubin, qui c'est les âmes guerriers qui sont au secret atomique dans le monde invisible. Oui? Hello? Ou imaginez, si l'homme a une petite compréhension pour inventer nucléaire, eh bien, un ange qui a une sagesse, qu'on descend cela. Mais pas grand-chose qui s'aime sur la terre, non? En gros, on est cap danser comme ça. Vous connaissez les cap danser simple comme ça? On est cap chanter dans le monde comme ça. Et vous connaissez les cap chanter simple comme ça? Eh bien, venez faire servir ça pour qu'on tourne dans le Saint-Esprit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et pas un païen qui a un don excellent. Vous connaissez mon Dieu qui a un don naturel, lui. Mais en pile fois, c'est mauvais esprit ça, qui bat aux vertus ça, qui bat aux talents ça. Eh bien, monsieur, ça aux anoté utilisé, c'est bah qui terrible, bah expliquer où. Et pas ni bombe atomique, ni bombe nucléaire, mais c'est une guerre céleste. Ce sont des armes terribles. Pour l'autre partie, est-ce qu'il y a accès? On nous garde, moi, c'est mon verset pour monsieur ou frère. Dans Luc 10, 18. On garde Luc 10, 18 pour me rapide. On garde Luc 10, verset 18. Qui ça le dit? Luc 10, verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber. Qui du ciel? Il n'y a pas troisième ciel là, non? Il était tombé dans le premier ciel là déjà. Malgré ça, Job dit nous, Job 1, verset 6, il était accès pour le monde, pour le monter. Mais les Christ descendent sous la terre. Dis-moi maintenant.
On va qui vient dans l'esprit moi. Dis-moi alléluia. Parce que Christ a pas son côté. Et tant que le roi sorti dans le troisième ciel, il descend dans le deuxième ciel, il vient dans le premier ciel, et puis pour Zaché à monter pied bois. Ah, il peut quoi avec là? Christ sorti dans le premier, troisième ciel, il descend dans le deuxième ciel, il est dans le premier ciel là, et puis il a pas son côté pour Zaché monter en pied. Pour Christ a levé tête gardel. Ah non, là c'est en grand cité. Ça c'est un grand cité, oui. Pour Jésus a levé tête, regardez, monsieur Zaché, monsieur Zaché. Zaché descend. Dis-moi alléluia. Alléluia. Et on va pas supérieur, on va faire lever tête, les regarder dans l'air. Et bien, puisque Christ sorti dans le troisième ciel là, et monsieur dans le deuxième ciel là, Christ dans le premier ciel là, Satan va dans le deuxième ciel là. J'ai vu Satan tomber du deuxième ciel. Dis-moi amen. Et par conséquent, il va monter encore. Qui est tout cassé. À partir de Jésus-Christ, nous n'avons pas accès encore. Parce que petit bon Dieu descend dans le premier ciel là, il est obligé de descendre plus bas, il va remonter dans le troisième ciel là. Et l'église m'a réinitié par remonter encore. On va dire amen. En pour moi, je n'ai pas accès à le troisième ciel là. Cependant, par influence, nous sommes toujours à accuser nous. Même si pas qu'il accès pour entrer côté Christita à la droite du Dieu le Père parce que on sent qui est péché monsieur. Dis-moi amen non. Dis-moi amen non. À cause sang qui coulait, qu'il y a un barème, qu'un barrage qui marquait sang de Jésus, chaque fois que c'est arrivé là, il est tombé. Monsieur pas qu'il accès dans troisième accès encore.